Pour vous souhaiter la bienvenue, vous allez trouver donc d'une part cette friture de gardon avec son condiment à la moutarde d'Orléans et à l'ail des ours, ainsi que cette feuille de consou gaufrée et son gel aux agrumes de la collection personnelle du chef. Pour déjeuner avec ces quelques mises en bouche, on commence sur votre gauche avec cette gavotte croustillante accompagnée d'un crémeux de gouda de Touraine. Ensuite, on passera sur la droite avec un travail autour du pois chiche de Bosquy et fumé. Et on terminera en haut avec la tartelette de tarama de Brochet de Loire et son voile de pomelo. Bonne dégustation. Donc là, on est sur un saumur blanc travaillé par Brendan Starterwest. Pour accompagner votre déjeuner, donc, vous allez trouver d'une part ce pain à feuilleté qui est élaboré par notre chef boulanger, accompagné de la menthe coque du jardin, ainsi que ces deux beurres, l'un est de micelle, l'autre est au caviar de Sologne. Et pour terminer, je vous ai versé cette huile de colza. Elle est torréfiée et spécialement élaborée pour le restaurant, en souvenir des racines familiales fermières du chef. Eh bien, je m'appelle Alexandre Gabriel, je suis chef boulanger chez Fleur de Loire. Et je fabrique tout le pain, le petit déjeuner pour Fleur de Loire et aussi la table d'à côté à Orléans. On va débuter ici avec le caviar au citre de Sologne. Il est produit par la famille Encart. On se situe à Saint-Pierre, on est à 20 minutes de Chambord. On va le retrouver avec un esturgeon qui est plus rouillon. Là, c'est vraiment aller chercher le moelleux. Les haricots du jardin, un petit peu plus pour le côté végétal. Et on va terminer ici hein, avec une eau de haricots beurre au caviar. Le chef tenait absolument en place. Quand vous dégustiez ceci, on a un petit peu l'impression de croquer d'un haricot. Excellente dégustation pour Céline. Le mulet de Loire. Donc, le mulet de Loire, c'est un poisson migrateur. Lorsqu'il remonte la Loire, ses arêtes se gorgent d'iode. Vous allez retrouver le mulet en aigre douce au vinaigre de coucou pour le côté floral, les concombres du jardin pour la fraîcheur, et je viens ici ajouter cette mayonnaise montée au jus d'arête pour vraiment apporter de la gourmandise. Merci. On va continuer ici avec un souvenir d'enfance du chef. Là, on est vraiment comme dans l'esprit d'une tarte à la tomate. En bas à gauche, on va vraiment aller chercher une jolie concentration de saveurs avec une tomate qu'on est venu rôtir pendant plusieurs heures, comme dans l'esprit d'une tarte à pain, dans un caramel à la En haut à droite, c'est vraiment la fraîcheur qui va venir nous intéresser. Des pétales de tomates confites dans l'huile de feuilles de poivrier, un tartare de tomate à la limette. Et on va terminer ici avec une eau de tomate. Elle est infusée aux feuilles de poivrier de Sichuan de notre jardin. Et elle aura surtout le rôle de venir laver votre palais. C'est l'homme des questions pour chez nous. Qu'est-ce que c'est?
Ça c'est un petit cadeau ça. Ça c'est du colza. C'est du colza. Et ce midi on va manger du colza justement. Pour moi c'est y a tout ce côté emblématique en fait. On en plante beaucoup en Beauce. C'est une plante qui consomme très peu d'eau. Et aujourd'hui en fait le colza c'est de la même famille que le chou. Donc on a ces feuilles un peu rondes et tu vas voir, mais à ce côté un peu gras et un peu épais là, assez onctueux et très végétal. Donc ça on fait un joli travail sur le colza avec le barbeau. Personne ne travaille le colza. Ça, c'est aussi la chance d'avoir le jardin et de pouvoir faire juste des petites pousses. Faire ce que tu as envie d'avoir des légumes. Exactement. Comme Monsieur Paul faisait. En fait, on s'amuse ici avec la partie végétale. Aujourd'hui, ça a pris une place beaucoup plus importante dans notre alimentation. Et quand on peut avoir le jardin et essayer de faire des essais, ça fonctionne, ça ne fonctionne pas, on passe à autre chose et tant pis. Quoi. Donc, tu les blanchis ? On va les blanchir. Et puis ensuite, on va les repasser dans une petite glaçante pour avoir un peu de gourmandise. Mais dans un premier temps, on les blanchira. Comme du chaud. Exactement la même chose, au bouillant de salé, et après on les glace bien pour bloquer la chlorophylle. Des petits papiers humides, et la réaction de l'induction est similaire à celle du gaz. C'est très rapide, puis nous en plus on a des petites molettes qui correspondent à la molette du gaz, donc pour le coup ça ne change pas du tout. C'est pas comme quand on a des boutons. C'est joli. Comme ça, hop. C'est cette feuille qu'on a déjà. Super. C'est vraiment une chair, c'est une chair qui est similaire à la chair du brochet en fait. À l'époque, à Rungis, on montait des barbeaux pour, quand il n'y avait pas de brochet, tu vois. Et pour des arêtés, c'est exactement la même chose. En fait, c'est les arêtes en Y, il faut inciser. Après, voilà, il faut maîtriser et il faut savoir là où on tranche. Hein, mais une chair blanche un peu serrée. Et en tous les cas, en termes de morphologie d'arête, c'est comme la brochet. C'est un poisson qui vit vraiment sur le lit de la Loire, donc sur le sable. Une chair un peu similaire à la chair du brochet en termes de morphologie d'arêtes. Hein, donc c'est des arêtes en Y. Il faut lever les filets à l'américaine, donc on incise. Et cette chair, en fait, on va la faire confire dans l'huile de colza. Ensuite, on a tout un travail sur le colza, donc avec les petites pousses qu'on a travaillées comme des pousses épinards. Il y a les graines qu'on a fait légèrement torréfiées sur le principe d'un pralin. Et ensuite, tout un travail sur le navet Sweet Bell. Et on va finir avec le jus de pâte de colza pour fumer de partout. Thank you.
Alors, on suit ici donc avec le plat emblématique de la maison, hein, qui est la carpe à la Chambord. Ce plat qui a été créé pour le maréchal de Saxe au XVIIIe siècle. Et on a repris chaque ingrédient de la recette initiale, donc les champignons, les écrevisses, lard paysan, la truffe. Cette carpe qui est en deux préparations, on a une goujamette qui est rôtie et les quenelles. Et on finit avec la sauce au vin rouge de chez Verny. On poursuit votre déjeuner avec cette pause végétale. Donc là, on a un travail autour de l'aubergine du jardin. Elle est tout d'abord grillée à la flamme et vous allez la retrouver à l'intérieur de cette raviole travaillée en caviar d'aubergine, accompagnée du basilic du jardin. Et je vous ai versé une eau d'aubergine pour terminer. Bonjour madame, bonjour. On va poursuivre ce repas pour vous avec le bœuf wagyu de notre élevage. Un bœuf élevé 36 mois en prairie, fini essentiellement en graines de lin. Et c'est cette finition lin qui permet le côté persillé au semoule dans la viande. On a à droite un travail autour des pommes de terre pompadour de nos jardins et des oignons. Ces pommes de terre, on les a farcies d'un confit de bœuf. L'idée, c'est toujours de travailler les produits dans leur entièreté. On les a farcies avec la joue du bœuf, pour être précis. Au centre de ces pommes de terre, on a un condiment, la wasabina. La wasabina qui est une herbe qui a des notes légèrement moutardées. Et là, je viens vous servir une sauce, le jus de bœuf, le jus d'une cuisson rôtie qui est montée au gras de bœuf. On va continuer du coup ici avec la mousse de chèvre de la ferme Bréviande. Donc on se situe à Romilly-du-Perche, entre l'Eure-et-Loir et le Loir-et-Cher. On va retrouver ici deux préparations, la mousse pour l'onctuosité et la fraîcheur, copeaux de chèvre affinés par le sang pour la force de caractère, miel de nos ruches, condiments et copeaux de poire tapés de la région, ainsi que fleurs et herbes sauvages de notre jardin. Très belle dégustation. Une courge un peu moelleuse. Maintenant, on a garni un peu comme une raviolie avec une crème vanillée qu'on a infusée pendant 2 jours, un gel citronné et un sorbet citron du jardin avec un petit peu de thym. Donc c'est très frais. Et le dessert au chocolat. C'est pour prendre une vidéo là. Il est bien celui-ci. Lucie Morin. Je suis chef de partie. Donc bonjour, c'est Manon, commis au restaurant Christophe. Merci. Autour, on a mis une tuile au jus cacao, donc c'est un jus au habitat qui est un jus cacaoté, très puissant en amertume. À l'intérieur, on a un croustillant à la fleur de sel avec un gel acidulé pour relever un peu les saveurs. On a fait une gelure chocolat qu'on a arrivé avec un sirop à la gassage, donc c'est une bière étrange, un peu moins poivrée. On a juste le dernier à la hauteur de la serre, on fait cristalliser. Et à tout dessus, on a fait un sirop qui est juste eau et cacao, donc vraiment pour un goût pur de la fleur. Là, il faut vraiment prendre à la cuillère parce que dedans, il y a même différentes textures, il y a aussi des températures un peu chaudes et froides parce qu'on a un sorbet dedans. Bonne dégustation. Oui, ça peut être. Hein. Vous n'avez pas encore essayé? Non, non, j'attendais. Je m'appelle Clément. Clément? Oui, c'est ça. Donc là, je viens réaliser les souplets. Et c'est les champions. Je suis commis en pâtisserie au restaurant gastronomique. Voilà. C'est mon appareil à framboise. Là, c'est parti en garage.
un petit peu ma masse. La première partie de ma meringue. Puis après, je vais tout ajouter. Puis je mélangerai plus délicatement. Ouais. Ça incorpore la masse, là. C'est ça. Si on les monte trop, par contre, après, ça va faire des énormes bulles. Ouais, ça va grainer et ça va faire d'énormes bulles à la cuisson. C'est un dessert que j'adore, le soufflé. Dans un menu, quand il y a un soufflé. Ça fait goûter ou c'est une noisette? Non. Ça attache pas. Tout à fait. Ça monte droit. Sinon ça pince et c'est de travers. Puis après on enfourne, voilà. Dernier, donc c'est un soufflé aux framboises, des framboises qu'on a déshydratées pour avoir un maximum d'acidité du fruit, avec dessus une gelée de framboises. Et sur la droite, on a travaillé des pamplemousses roses en différentes textures, donc on a de la marmelade, on a du confit, on a du pamplemousse frais et du gel, avec une petite glace vanille et poivre de Timut pour apporter un côté un peu boisé avec la framboise. Et dessus, on a un petit sac de gel. Donc c'est cuire à la température pour capter les odeurs, avoir un peu d'amertume sur le sel. Voilà. Bonne dégustation. Merci.